des séquelles physiques et psychologiques. Oui. Alors, je vais terminer en vous disant que toutes ces femmes qui ont participé à la guerre de libération, femmes algériennes, célèbres ou anonymes, femmes héroïnes ou tout simplement ordinaires, quel que soit leur type de militance, quel que soit leur parcours, et quel que soit leur type de militance, parce que rouler le couscous pour les maquisards, c'est un acte militant. Laver le linge des maquisards, c'est un acte militant. Cuisiner, c'est un acte militant. Et enfin, souffler sur le feu pour faire cuire la galette jusqu'à en devenir aveugle, c'est un acte militant. Alors rendons leur hommage. Elles ont payé un lourd tribut, humiliées, battues, parquées dans des camps, torturées, violées, assassinées. Mais leur combat n'a pas été vain. Leur combat a une signification. Leur combat s'appelle liberté. Leur combat s'appelle dignité. Leur combat s'appelle justice. Leur combat s'appelle indépendance. Leur combat s'appelle El Jazeera.